Alors bonjour. Alors une petite histoire pour agrémenter la table de Shabbat, Bezat Hashem. Alors, peut-être la connaissez-vous. Une fois le Hafetz Chaim, ça vous savez qui c'est le Hafetz Chaim? Ah, le Hafetz Chaim. Le Hafetz Chaim a été invité dans une réception, dans un hôtel, et il était accompagné avec. Bon, il y avait du monde, évidemment. Et il était avec un rave important, semble-t-il. Et donc on leur a servi à manger. Là-bas, la tabayit est arrivée. On a servi un bon repas, du poisson, de la soupe, de la viande. Bon, c'est évidemment ultra cachère, ultra cachère. Vous imaginez? Et à la fin du repas, la Baal HaTabayit, la maîtresse de maison, donc qui dirigeait l'hôtel ou le restaurant ou l'auberge, vient prendre des nouvelles. Elle demande au Rav, est-ce que c'était bien? Le Rav Israël dit, c'est tout était magnifique. Magnifique, vraiment. Quelle la bracha dans cette maison, etc., etc., etc. Et, bon, je sais pas, je ne m'en rappelle plus qui c'était le compagnon du Rav Israël. Bon. Peut-être que ce n'était pas un si grand rave, ça me dit, je sais pas. En tout cas, le compagnon de Rav Esraïm dit, tout aussi pour ma part, tout était délicieux, il manquait juste un peu de sel dans la soupe. Le Rav Esraïm a blêmi. Ah! Une fois que la maîtresse de maison est sortie, le Rav Esraïm a dit à son compagnon, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a pris de dire ça? Il dit, ça va, elle a demandé, au contraire, j'ai bien dit que c'était très bon, j'ai juste dit qu'il manque un peu de sel. Mais vous savez les conséquences de cette phrase. Vous savez les conséquences de cette phrase. L'autre a dit, mais quelles conséquences? Vous voulez que je vous dise les conséquences? C'est qu'une fois que la maîtresse de maison va terminer son tour, elle va aller dans la cuisine, elle va parler à la cuisinière, qui sûrement la cuisinière, et soit une jeune fille juive qui nourrit sa famille par son travail, ou peut-être une veuve qui n'a pas de mari, et dont la seule subsistance c'est ce métier qu'elle a. Elle va commencer à lui crier dessus et lui dire, mais pourquoi tu n'as pas mis de sel dans la soupe? Et l'autre va dire, mais bien sûr que j'ai mis du sel dans la soupe. Bien sûr que j'ai mis du sel dans la soupe. Et la maîtresse de maison dit, ah bon? Alors tu vas dire que le rave c'est un menteur? Et elle va dire, moi je n'ai pas dit que le rave est un menteur, mais moi je ne suis pas une menteuse, et moi je dis que j'ai mis du sel dans la soupe. Et moi je te dis que tu n'as pas mis du sel dans la soupe. Et moi je dis que j'ai mis du sel dans la soupe. Et le ton va monter, et à la fin, la maîtresse de maison va lui dire, tu sais quoi? Tu prends ton manteau et tu t'en vas tout de suite. J'ai pas besoin d'une mauvaise cuisinière et d'une menteuse. Alors le compagnon du Rav Ezraïm dit au Rav Ezraïm, je crois quand même que le Rav exagère un peu. C'est pas parce que j'ai eu le malheur de dire qu'il manquait un peu de sel qu'il va y avoir une telle dispute et que la cuisinière va être envoyée. Le Rav Ezraïm lui dit, regarde, tu veux que je te dise? Viens. Regarde, tu vois, elle a terminé sa tournée. Viens, vite. Rentrons vite. Et le Rav Ezraïm arrive avec son compagnon, arrive, ils se mettent à l'entrée de la cuisine. Et il se passe exactement ce que le Rav Ezraïm m'a dit. La maîtresse de maison rentre et lui dit, alors il paraît que tu as oublié de mettre du sel dans la soupe? Et la pauvre cuisinière dit, bien sûr que j'ai mis du sel dans la soupe. Ah bon, tu dis que tu mets du sel dans la soupe? Eh bien le Rav a dit que tu n'as pas mis du sel dans la soupe. Eh bien moi je dis que j'ai mis du sel dans la soupe. Alors le Rav est un menteur, j'ai pas dit que le Rav est un menteur, mais je dis que moi je suis pas une menteuse et j'ai mis du sel dans la soupe. Et moi je te dis que tu n'as pas mis du sel dans la soupe. Et si j'ai mis du sel dans la soupe? Ah bon? Alors tu prends ton manteau et tu t'en vas parce que j'ai besoin ni d'une menteuse ni d'une mauvaise cuisinière. Le Rav Israël m'a dit, tu as vu? L'autre Rav était blême. Ils sont rentrés. Et l'autre Rav a dit, je vous en supplie, je vous en supplie. Pardonnez-moi, j'ai pas mesuré. La soupe était très bonne. Je vous en supplie, gardez-la. Je vous en supplie, gardez-la.
Et la cuisinière, c'était, moi, je ne veux pas réfléchir. Si on me parle comme ça, je ne veux pas. Je vous en supplie. C'est le satin, c'est le sarara. Je vous en supplie, reprenez votre travail. Je vous en supplie, c'était magnifique. Ne tenez pas là. Il a fallu des prouesses pour remettre le shalom entre cette cuisinière et sa maîtresse de maison. Vous vous rendez compte? Donc une petite phrase à nous dire comme ça. Oh, c'était très bon, mais il manquait juste un peu de sel. Ne dis pas, garde ta langue dans ta poche. Et si tu voulais du sel, tu n'as qu'à rajouter du sel. Ne dis rien. Comment c'était? C'était délicieux. C'était très bon, délicieux. Pas un mot de plus. Hein? Voilà, une belle histoire à commenter. Maman, c'était très bon d'en manger de ce soir. Comme toujours, t'es la meilleure cuisinière du monde, maman. Voilà. Et en plus, c'est vrai. Shabbat shalom. Hazak.